La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions orales sans débat. Question de M. Benoît Mournet, à M. le ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. La parole est à M. Benoît. Mournet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé, mes chers collègues, je voudrais vous interroger, monsieur le ministre, ou plutôt vous rendre compte d'une visite que nous avons effectuée la semaine dernière avec votre délégué interministériel. En charge de la santé mentale et quelques collègues au centre expert en psychiatrie à Créteil. Alors, ce réseau des centres experts, comme il en existe 53 aujourd'hui dans le pays, euh, rend des services de diagnostic précoce, améliore le pronostic, euh, ont permis de placer la France au troisième rang mondial sur la recherche euh, des troubles bipolaires, permettent d'attirer des psychiatres à l'hôpital public. Ce réseau s'est étendu euh, à partir d'une expérimentation qui avait été initiée en 2007. Et aujourd'hui, il est temps de se demander si on pourrait véritablement l'intégrer comme une offre de soins à part entière. Et c'est euh, l'objet de ma question de savoir si on pourrait venir l'intégrer dans le code de la santé publique, en complément, bien évidemment, du secteur et non pas en concurrence, pour euh, améliorer la prise en charge de nos patients. Et j'ai une toute petite deuxième question rapide qui concerne les médecins remplacés. C'est Dr Gachis, qui s'occupe du centre de soins non programmés euh, chez moi à Tarbes, qui me l'a. Euh, Pointé, j'ignorais totalement, euh, les médecins remplacés <coughs> ne peuvent pas, durant leur remplacement, exercer une activité libérale ailleurs. Or, quand on, on sait qu'on en a une 15 000 à peu près en France, là on a peut-être du temps médical sous-exploité. Donc euh, j'appelle votre attention sur ce point également. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur le ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. Merci madame la présidente. Monsieur le, le député cher Benoît Mournet. Votre question, effectivement, est tout à fait pertinente et je vous remercie. De me l'avoir posé, je connais votre implication sur ces, sur ces sujets. Vous l'avez rappelé, les centres experts en psychiatrie, euh, comme les centres de recours pour les troubles du comportement alimentaire, ou encore les centres experts déployés par la Fondation fondamentale, existent maintenant depuis plusieurs années et apportent, euh, dire un, un, sont un vrai apport dans notre dispositif de prise en charge. Et ils sont utiles et pertinents, ces centres. Ils fournissent une aide de diagnostic à que les patients les plus complexes et dispensent aussi des actions de formation, il faut le, le souligner. Comme vous l'avez dit, ces activités de psychiatrie sur spécialisation. Doivent être pleinement intégré dans une logique de graduation de l'offre de soins. Et si le concept de graduation de, de l'offre de soins a été introduit pour la psychiatrie par ordonnance en 2021, est vrai que ça, il est vrai que sa mise en œuvre opérationnelle n'a pas encore été conduite. Bien sûr, ces travaux seront menés en étroite concertation avec les psychiatres, comme cela est fait pour toutes les autres disciplines. Dès à présent, certains centres, du fait de leur expertise ou de leur activité, font déjà l'objet d'une reconnaissance spécifique par le ministère de la Santé. C'est le cas au niveau national, par exemple, pour le numéro national de prévention du suicide ou certains centres nationaux comme le Centre National de Ressources euh, Réhabilitation Psychosociale. C'est aussi le cas au niveau régional pour les centres régionaux du psychotraumatisme ou encore des centres ressources pour intervenants auprès des auteurs de, de violences sexuelles. Les travaux sur le sujet sont bien évidemment amenés à, à poursuivre pour construire une structuration graduée de l'offre de soins en psychiatrie à partir de l'offre de premier recours non spécialisé euh, jusqu'au centre spécialisé de niveau régional voire national. Ces chantiers-là, je vais les reprendre euh, dans le cadre de la relance des assises de la Santé mentale qui avait été initiée par le président de la République et dont aujourd'hui on doit écrire je veux dire, les conclusions et, et, et la mise en œuvre du plan. Je vais m'y atteler et je l'espère avec tous ceux qui, au sein des groupes ici de, de l'Assemblée, sont comme vous euh, particulièrement motivés et investis sur cette question. Merci beaucoup. Je vous remercie.